what you're thinking. I can tell just by the way that you look back at me. And I know what you're doing. Yo tout le monde, ça peut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sûrement pour ça peut 2. Juste un petit Coliseum que je filme après celui que j'ai posté sur la chaîne principale, voilà. Oula. Et j'ai toujours mon clavier pété. Donc bon, le combat est pas équilibré du tout, voilà, clairement. C'est le Coliseum, si on a l'habitude. Parce que en face, il n'y a aucun level 200 et nous, on est tous level 200. Donc effectivement, c'est pas équilibré. Mais quand même, ils peuvent se débrouiller parce que leur compo, par contre, a plus de gueule que la nôtre, quoi. Faut croire que la nôtre, ça va, remarque. Parce qu'on a un Eka Flip. Non, mais le Xelor Zoba, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On verra. Ouais, on va voir s'il y a moyen ou pas. En tout cas, le Zoba met plein de points de bouclier, mais il a pas de résistance. Le sera à mana, mais pas dans mes éléments à moi. Et le Xelor, pareil, donc nickel. Ils ont tous beaucoup de résistance, mais pas dans l'élément terre et neutre. Wallet PM, c'est plutôt cool. Donc ouais, sûrement pour ça peu deux, petite vidéo bonus comme ça pour ceux qui s'ennuient. Ceux qui n'ont pas d'examen de bac, de brevet ou je ne sais quoi à passer. Peut-être qu'ils sont là, ils savent pas quoi faire parce qu'il fait pas beau chez eux. Bah vous aurez une petite vidéo à la con, regardez. Oula, il y a deux roulettes PM. Et j'ai trop envie d'aller les rusher direct moi. Le Doppel, laisse-moi une ligne de vue s'il te plaît. Nice. Je vais aller défoncer je crois direct. Et limite je passe invisible après. Ah ouais trop bien. On va faire ça. Si je peux. Double fourvoiement, je passe invisible. Enfin ça me donne envie parce que j'ai 13 PM en fait. Enfin remarque ils ont 10 aussi. 9, 10, 9. Pourquoi moi j'en ai 13? Ah il m'a boosté en bond félin, d'accord. Ah il m'a mis un piège d'immobilisation, ça fait chier. Surtout que son piège d'immobilisation il va virer bout de PM hein. Bon tant pis, allez à moins 4. Non ça va à moins 2. On va peut-être pas reculer trop non plus, j'ai pas envie de faire un combat relou. Allez, moins 3 PM sur le Zobal, ça c'est fait. Allez, c'est parti les combinaisons cheloues de Xelor. Ça je comprends rien quand ils le font. Bah limite là, ils pourraient ramener le Xelor hein. Ouais, ah ben non, il a plus de PM du coup. Eh oui, c'est mal joué. On va lui dire noob. Merde. Petit bug sur mon fond d'écran. Eh, c'est stylé. Non, c'est relou. Bon. Moi j'ai envie d'aller au CAC là, faire du ROX quoi, pas de faire des trucs tactiques à la con avec des tourelles de synchro de je sais pas quoi. Putain j'ai un PM, mais cassez-vous. Putain mais cassez-vous quoi, mais venez, on se tape. Je vous prends 1v1 moi. Allez, oh roulette force c'est cool ça. Dommage j'ai pas de PM. Eh oui. T'as le tour d'avant, j'avais 13 PM et là j'en ai 1. Aïe, ça, ça fait des bons dégâts. Hein. T'as ce skin, il est trop beau. Si je filme. Ah, une roulette PA, c'est nickel vu que j'ai 13 PA mais que je peux pas l'utiliser vu que je suis à 15 km de tout le monde. Génial!
En tout cas, l'Axelor a déjà pris pas mal de dégâts. Hein. Donc ouais, j'ai posté pas mal de vidéos de CS aussi sur Sapeu2. Mais des petits trucs à la con. Hein. Souvent, ce sera des actions, des trucs sympas, des clips, ah lol. Ou des trucs drôles, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, pour l'instant, je me tape pas trop de barres quand je joue à CS, mais non, on a fait des trucs marrants. Genre des actions au taser, ouais, trop drôle. Ouais, le SRAM, là, monte-toi, là, que je te mette des sournoiseries, là. Putain, j'ai... Voilà, oh, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Bah oui, je suis à 15 km, du coup, je peux rien faire. Oh, putain, il est sérieux, lui? Allez, ça, ça va, là. Ça, ça va, là. Ça se tape pas mal, un hein, piège tournoi à moins 300 sur 20% en plus. Et apparemment, ça le fait chier. Ah, en plus, il se prend le dégât de piège de masse. Ouah, le piège de masse qui a fait du. Comment il s'appelle, Zoro? Zoro. Ah non, il a pris 47 Zoro. Ah non, il a pris 320 ici. Merde. En tout cas, la Xelor qui est dans la merde. Puisqu'elle est en des dommages subis x 20 millions là. Et donc, du coup, le panda devrait pouvoir roxer dessus. Bon, et après, il y a des res hauts, je crois. Hein, 36. Pas mal. Ah, il a le tonneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bien joué. Normalement, ça devrait attirer de 8. Ah non, pas de 8. Parce qu'il ne l'a pas boosté. Il a plus de points de sort, le pauvre. Ouais, ça attire de 8 cases à 11 PO, si je me souviens bien, le tonneau. Le combat du bled à son apogée. Ah non, ok, mais en fait si, mais c'est juste que le truc c'est qu'il y avait le SRAM ici, ok. Donc il y a le SRAM devant, bon, oh, il peut aller le trouver. Il peut même faire une zone, donc c'est pas plus mal, Zaliana. Donc ouais, il y a le SRAM ici, d'accord. Pourquoi il se booste autant en PM, ça sert à rien. Maintenant il est même pas là en plus le SRAM, c'est juste qu'il a pas boosté son tonneau. Oh, pas de crit. Ah, peut-être que le Doppel. Allez, le Doppel. Le Doppel, le Doppel, le Doppel. Si tu joues, peut-être. Ouais, allez, ça devrait être bon. Il lag un peu le Doppel, c'est la bêta. Mais là, à plus. Et moi, je suis à 10 000 km du combat, il se passe rien pour ma gueule. Ok, le SRAM qui décide de passer visible, carrément, il s'en bat les couilles. Ah ok, prend une zone, c'est pas mal ça. Alors moi j'ai... Putain, j'ai fait une connerie là. Bon, j'espère qu'il a capté ce que je voulais faire, hein, parce que sinon c'est un autiste. Voyons voir le Rox. Regardez, en mode MLG là. J'ai la musique dubstep en plus derrière. Et brou, brou, pas mal, pas mal. Moins 2000, ça me soigne, et en plus il y a une zone.
Hey, c'était bien joué ou pas, les gars? Et vous voyez, comme des fois, quand je veux, je peux faire des trucs pas mal, hein. Et j'étais en tour pair, il faut le noter, parce que tour pair, je tape moins qu'en tour impair. Il faut le noter, n'est-ce pas? Oh putain, le plastron qui revient. Non, c'est pas grave. Il est déjà 17h, donc le bac est actuellement, pour moi, dans moins de 24 heures. Dans 21h exactement. Je vais le piquer à Ravonneur. Pas compris. Il a la zone pour faire des griffes joueuses. Également notre Ikafip. Est-ce qu'il va le faire? Oui, effectivement, c'est très bien joué de sa part. Ah, il peut faire ça aussi, ouais. Il peut le terminer? Ouais, il peut. Yes. Bon, bah, il reste plus que les ovales. Bon, comme prévu, il n'y a pas de difficulté majeure dans le combat, hein, vu qu'ils sont plus bas level que nous. Même si leur stuff, c'était pas dégueulasse, hein. J'ai 8 PM. Bon, on va y aller en mode no brain, tant pis pour moi. Ouais, les dégâts en tour pair sont pas mal, hein. Parce que 760 en tour pair, j'ai moins 10%. Pas mal. Je sais pas, quelqu'un qui m'a encore MP. Hop, on va leur dire GG. Et niveau stream, je peux pas vraiment en faire en ce moment vu qu'il y a le bac. Après, peut-être y aura moyen, il faut que je trouve des trucs à faire aussi en stream parce que je vais pas faire que du stream de colis ou que du stream de je ne sais quoi. Faut trouver des trucs intéressants à faire. Bon, ça y aura moyen, mais on verra après le bac. Parce que ça fait bien chier ce bac, mais c'est qu'une semaine, on y est presque. Oh, je suis sûr qu'il va pas faire durer. Oh putain, il va faire durer, ok, tant pis. Je sais pas pourquoi il fait durer sur la bêta test, quoi. C'est pas le serveur héroïque, on s'en fout. Enfin, même sur l'office, ça a rien de faire durer, mais. Et ouais, moi j'ai mon bac de philo à réviser là. Enfin, bon, quand je posterai cette vidéo, normalement. Enfin, je sais pas quand je la posterai en fait, mais. Ouah, moins 1120, c'est pas mal. Bah, le bac aurait sûrement déjà commencé, en tout cas la première épreuve sera peut-être terminée. Je la posterai peut-être mercredi soir ou quelque chose comme ça. Putain de Doppel qui va me gêner. Il peut être fier de lui, ce petit con. Allez, on va dire. Hop, on va faire un petit chill à l'ancienne, comme ceci. Donc voilà, 13 minutes, 5 tours. Bon, il n'y a aucune surprise, clairement. On s'en fout un peu, quoi. C'est histoire de faire un petit Coliseum. Quel skin? Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, comme d'habitude. C'était Sapeux sur Sapeux 2. C'est très original comme nom de chaîne. Bye tout le monde.